Grottes, gouffres, mais aussi anciennes carrières ou caves. En France, au moins 180 000 cavités sont cachées sous nos pieds, qu'elles soient d'origine naturelle ou construites par l'homme. Au fur et à mesure du temps, beaucoup d'entre elles ont été oubliées et des bâtiments ont été construits par-dessus. Si l'on veut prévenir tout risque d'effondrement de ces souterrains qui menaceraient les constructions, il faut contrôler leur stabilité. C'est le rôle de la Direction Risques et Prévention du BRGM qui gère la base de données nationale des cavités souterraines abandonnées. Elle s'est équipée d'un scanner 3D mobile afin de les cartographier. Le scanner 3D utilise un faisceau laser pour sonder son environnement. Le temps de trajet aller et retour du rayon indique la distance qui sépare l'appareil de sa cible. Le scanner effectue plus de 43 000 mesures par seconde pour créer un nuage de points qui représente en trois dimensions la géométrie des objets scannés, avec un niveau de détail centimétrique. Le scanner laser 3D présente deux intérêts majeurs. Tout d'abord, il fonctionne en souterrain, ce qui ne nous permet pas de faire le GPS qui lui passe pas sous terre par définition. Le deuxième intérêt majeur, c'est que c'est un appareil qui nous permet de travailler extrêmement rapidement, contrairement aux techniques de topographie classiques qui sont lourdes et fastidieuses à mettre en œuvre. Du coup, on est capable aujourd'hui de faire des levées de grottes ou de carrières en quelques heures ou quelques jours tout au plus, ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des techniques classiques. Ici, sous la basilique Saint-Rémy de Reims, 450 mètres de galeries ont été cartographiés en moins de 2 heures. Le scanner laser 3D a vraiment changé notre façon de travailler au BRGM. C'est un appareil qui nous permet d'avoir très rapidement une géométrie complète et exacte des vides souterrains. On va aussi avoir une information dans cette géométrie sur les zones de faiblesse de la cavité, tout ce qui est fracturation, zone instable. On peut repositionner toutes ces observations par rapport aux enjeux en surface, donc les bâtiments par exemple, et prendre les mesures de prévention des risques adaptées. Ça peut être par exemple évacuer une habitation si on met en évidence un péril imminent par rapport à une cavité instable à faible profondeur. L'équipe du BRGM cartographie ainsi chaque année plus de 15 hectares de cavités sur l'ensemble du territoire français.